Retour en images sur la Coupe de France de Cécifoot qui s'est déroulée le week-end du 13 mai dernier au stade Robert Gazi de Bondy. Quatre adversaires prévus pour les phases de poule de cette compétition, Toulouse, Mérignac, Clermont et le FC Nantes. On est en constante progression par rapport au jeu qu'on propose, sur les principes qu'on essaye de mettre en place, les soutiens, les diagonales, les relances longues quand on peut relancer long, voilà, tous ces principes qu'on commence à avoir automatisés, alors on continue à essayer de les mettre en place. Okay. Nous sommes, nous, les élus de Bondy, aux côtés du Bondy Cécifoot Club, très fiers, très honorés de vous accueillir pour cette Coupe de France, que j'espère que vous allez avoir de très beaux matchs aujourd'hui, et donc que le meilleur gagne. Pour le premier match face à Toulouse, Lucas, Cyril, Alan, Abderrahim et Corentin sont titulaires. C'est du côté de Toulouse que les premières occasions se présentent. D'abord avec cette frappe du droit, tirée par le numéro 11 et interceptée sans problème par Lucas. Mais tout s'accélère rapidement sur corner quelques instants plus tard. Le numéro 7 toulousain effectue une feinte et s'infiltre dans la défense lensoise, avant d'enchaîner avec une frappe puissante du gauche qui finit au fond des filets. 1-0 pour Toulouse. Les Lensois tentent de réagir rapidement avec cette occasion menée par Abderrahim qui se présente côté gauche du but mais qui déclenche sa frappe malheureusement trop tard. Sortie de but. Plusieurs occasions s'enchaînent côté toulousain avant la mi-temps, trois frappes tentées par le numéro 11 puis le numéro 7. Lucas saura se montrer attentif pour les arrêter alors que la dernière filera en sortie de but. Un 0 à la pause, tout est encore jouable pour les Lensois qui montent en intensité défensive à l'image d'Alan et de cette récupération in extremis. Nouvelle tentative du numéro 7 qui déclenche une frappe puissante du droit à 15 mètres et qui passe juste à côté du but lensois. Et ultime tir juste avant le coup de sifflet final pour Toulouse. Le numéro 7 parvient à s'emparer du ballon à 10 mètres et manque le cadre de peu. On en reste là, 1-0 pour Toulouse. Place maintenant au second match de la journée qui opposera le Racing Club de Lens à Mérignac, champion de France en titre. La composition est identique à l'exception de Younes qui remplace Abderrahim. Forte intensité en début de rencontre avec Mérignac qui s'offre une première tentative du gauche qui file en sortie de but. Mais dès l'action suivante, le numéro 13 se fraye un chemin dans la défense lensoise et ouvre la marque, 1-0 pour Mérignac. Les assauts pleuvent dans le camp lensois, mais Lucas parvient à effectuer plusieurs arrêts très importants qui permettent de maintenir le score, notamment sur cette frappe du numéro 8 qui aurait bien pu enfoncer le clou. Watch me shine and fly, but then crack the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Dernière action avant la pause, et c'est cette fois-ci la défense lensoise qui s'interpose. 1-0 à la mi-temps. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. Mérignac poursuit ses offensives avec cette action menée par le numéro 8 dont la frappe vient buter sur Alan et sort en corner. Grosse opportunité sur l'action suivante menée par le 13 mais le portier lensois s'interpose. Les sangs et or subissent les actions à répétition de Mérignac et c'est cette fois-ci le poteau qui les sauve. Et sur l'action suivante, superbe parade de Lucas sur une frappe en pleine lucarne du numéro 6 Mérignacé. Mais malheureusement, en fin de rencontre, le score évoluera à 2-0 en faveur de Mérignac suite à un tir puissant du même joueur. 2-0 au coup de sifflet final donc. C'est un peu conforme à ce que j'imaginais. On jouait Toulouse et Mérignac qui sont deux équipes de la poule élite. Donc forcément, on s'attendait à des adversaires coriaces,
techniquement forcément qui sont un petit peu au-dessus de nous, physiquement aussi, même si on a réussi à, par période à rivaliser au niveau athlétique. Mais voilà, ça nous permet de voir aussi le chemin qui reste à parcourir pour pouvoir aller au-dessus, entre guillemets, dans cette poule élite qui est quand même assez relevée. Et donc voilà, donc maintenant, il nous reste deux matchs à jouer. On va essayer de se faire plaisir sur ces deux matchs. Voilà, on verra la suite. In our ashes, feeling the sunshine once again, I move to the horizon. L'après-midi, place au match opposant le RC Lens à Clermont. Pour cette rencontre, Lucas, Cyril, Alan, Abderrahim et Younes sont titulaires. Clermont se montre offensif d'entrée de jeu et déclenche une frappe que Lucas peut arrêter sans problème. Mais peu de temps après, le numéro 21 clermontois se fraye un passage dans la défense lensoise et vient ouvrir le score d'un tir à bout portant qui rebondit sur le pied du gardien sans Éor. 1-0 pour Clermont. Et dès l'action suivante du côté de Clermont, le numéro 11 tente une première frappe contrée par Younes. Mais l'attaquant récupère immédiatement le ballon, fonce vers le but et déclenche un tir du gauche qui termine en poteau rentrant. 2-0 pour Clermont. Les Lensois tenteront de réagir avec cette occasion menée par Alan et son tir du droit qui manquera de puissance pour inquiéter le portier clermontois. 2-0 à la pause donc, les Lensois doivent réagir. Et c'est ce qu'ils vont tenter de faire dès la reprise avec une occasion intéressante pour Alan qui manquera de justesse dans le dernier geste et ne trouvera pas le cadre. Même chose pour Cyril sur le corner suivant. Il parvient à contourner la défense mais loupe son tir qui termine en sortie de but. Belle occasion pour Cyril encore quelques instants plus tard mais son tir du droit termine dans les gants du gardien de Clermont. Les Verts auront une dernière occasion en fin de match mais le tir du 6 n'inquiétera pas Lucas. 2-0 au coup de sifflet final et troisième défaite consécutive pour les Sang et Or qui enchaînent rapidement avec le quatrième et dernier match de la journée face au FC Nantes. Nouvelle composition pour cette opposition avec la titularisation de Lucas, Arnaud, Abderrahim, Corentin et Younes. Ce sont les Nantais qui s'offrent la première tentative du match avec cette frappe à 15 mètres du numéro 9 sans grand danger pour Lucas. Très belle occasion ensuite pour Abderrahim en contre qui vient buter sur le gardien après un tir du gauche à 5 mètres. Nouvelle opportunité pour les Nantais sur corner mais le tir le long de la ligne termine derrière le but. Nouveau contre et nouvelle grosse occasion pour Abderrahim dans les mêmes configurations que précédemment mais son tir trop tardif est manqué et le gardien se saisit du ballon. Et juste avant la pause, coup franc intéressant pour les Sang et Or mais la frappe d'Abderrahim échoue à gauche du but nantais. 0-0 à la pause donc. Ça reprend et les Nantais s'offrent l'action du match avec cette frappe du numéro 10 qui termine sur le poteau. C'est pas passé loin. Et ultime occasion du match à nouveau pour les Nantais avec un coup franc bien placé mais le tir du numéro 3 manque d'ajustement et file en sortie de but. 0-0 au coup de sifflet final. Une compétition difficile pour les Lensois qui terminent dans le bas du tableau de leur poule. Le champion de France sera sacré le lendemain et c'est Précy-sur-Oise qui remporte la finale au tir au but face à Mérignac. Et rendez-vous début juin pour la dernière journée de championnat de France qui déterminera le classement final de la saison.